Achète cette crème et tu auras une meilleure qualité de peau. Achète ce thé et tu vas être plus mince. On vit dans une société de consommation qui nous envoie tous les jours un message subliminal qui est « tu n'es pas à la hauteur ». Et au fait, on nous expose tellement souvent à ce message, c'est qu'on finit par le croire. Aujourd'hui, j'avais envie de t'adresser ce message, toi qui m'écoutes. J'aimerais que tu honores la femme que tu es, telle que tu es. Tu n'as pas besoin de trop en faire. Tu es déjà à la hauteur. Tu mérites le respect, tu mérites l'amour et surtout, tu mérites de t'aimer. Comment veux-tu m'aimer moi? Comment veux-tu aimer tes enfants? Comment veux-tu aimer ton mari? Comment veux-tu aimer l'autre si toi-même tu ne t'aimes pas? Apprends à te traiter comme quelqu'un que tu aimes. Parce que les gens qu'on aime, on les traite bien, on est bienveillant, on est doux, on est gentil, on est encourageant avec soi. Par contre, quand il s'agit de nous, on a droit au pire. Je suis bête, je suis grosse, je suis pas jolie, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas ma peau. Stop! Toutes les choses sur lesquelles tu vas porter ton attention, tu vas leur donner vie. Si tu vois le côté en toi que tu n'aimes pas, tu vas le renforcer. Si tu vois en toi le côté que tu aimes, tu vas aussi le renforcer. Donc je suis là pour te le rappeler aujourd'hui. Tu es belle, tu es capable, tu es à la hauteur, tu es belle, tu mérites ce que la vie a de meilleur à offrir. Tu mérites le respect, tu mérites l'admiration et tu mérites d'avancer dans la rue avec la tête haute. Aime-toi comme jamais personne ne pourra t'aimer. Et ce n'est que comme ça que tu attireras un amour intense dans ta vie. Je t'invite tous les matins à te regarder dans le blanc des yeux et à dire je sais qui je suis et ce que je suis est largement suffisant et je mérite le meilleur parce que je m'aime. C'était Nahid Rached, je t'envoie tout l'amour de la terre et je te dis je t'aime. Ce cadre magique que je t'attends pour 4 jours de transformation intense. Au programme, énormément de choses. Du yoga, de la méditation, du coaching, du sport et bien plus que ça encore, du coaching avec moi et avec une experte en hypnothérapie. Énormément de choses pour vous permettre de faire de 2021 votre année.